j'ai repris des sources qui avaient été connues et étudiées par certains historiens, et ces sources décrivaient une invasion de la Gascogne en 840. Les Vikings attaquent les 12 cités de Gascogne. Ils attaquent aussi Bordeaux, mais ils ne réussissent pas à prendre Bordeaux par surprise. Mais par contre, ils vont prendre toutes les cités entre Bordeaux et les Pyrénées, de Bazas à La Pourdan, qui est donc Bayonne, jusqu'à Saint-Bertrand-de-Comminges et Saint-Lizier en Ariège. Toutes les cités tombent, et non seulement ces cités tombent, mais ils en éliminent les évêques. Et cette invasion de la Gascogne, qui n'a pas été étudiée par les historiens, elle change tout. Là, on est en 840, un an avant la première attaque en Normandie, et dès cette année, ils ont des ambitions territoriales et politiques en Gascogne. Et donc, la question suivante, c'est pourquoi est-ce que les Vikings se sont intéressés à la Gascogne? Le chef norvégien, qui s'appelle Ragnar, décide de conquérir une route au nord des Pyrénées. L'avantage au nord des Pyrénées, c'est que depuis les invasions arabes, l'Aquitaine est devenue une zone de zizanie, c'est l'anarchie. Et donc l'Aquitaine est une région divisée, et pour Ragnar, c'est une terre idéale de conquête. Et donc en 840, lorsqu'il prend Bayonne, lui, ce qu'il voit, c'est que derrière, il y a Narbonne, il y a Perpignan, il y a la Méditerranée. En 968, et la reine de Pampelune, l'épouse du comte de Gascogne, et va aider son mari à reconquérir la Gascogne. Et les troupes de Gascogne se liguent et vont peu à peu remonter pour affronter les Vikings. Et ils vont se faire écraser en 982 à la bataille de Thalée à côté de Dax. Et là, c'est un carnage effroyable qui met fin à la domination scandinave en Gascogne.
C'est en l'honneur de Sévérus que fut construite une abbaye, à l'origine de la naissance de Saint-Sevé, capitale de la Gascogne, cendre du monde. À l'abbaye, nous avons un maître enlumineur qui travaille sur un chef-d'œuvre très précieux, le Beatus. L'autre jour, j'ai surpris une discussion entre l'abbé et le maître. Il disait du livre que c'était un trésor inestimable, une des plus belles choses sur Terre. Il est temps de vous raconter la véritable histoire du Beatus. Il est caché dans la salle du trésor de l'abbaye. S'il s'appelle Beatus, c'est qu'il porte le nom du grand moine Beatus de Liébana, qui réalisa en Espagne le premier Beatus au 8e siècle. Son texte, commentaire de l'Apocalypse de Jean, fut recopié plusieurs fois, toujours en Espagne, sauf une fois, ici à Saint-Sevé, au cours du 11e siècle. L'Apocalypse de Jean, texte du tout début du premier millénaire, avait été écrit pour dévoiler l'avenir aux premiers chrétiens qui étaient alors persécutés dans l'Empire romain. À l'époque où le Beatus fut réalisé, l'Espagne était sous domination musulmane. On comprend mieux pourquoi de l'autre côté des Pyrénées, les moines s'efforcèrent de le recopier. Regardez cette carte du monde, tous ces détails. Elle est magnifique, c'est un trésor. À votre avis, que représente ce dessin? C'est l'abbaye de Saint-Sevé.